Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Quel silence? Crois-tu que l'on puisse parler sans attirer leur attention? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ce silence est étrange. Il faut rassembler le grand conseil. Vol du côté nord, je m'occupe du côté sud. Dis-leur qu'on se réunit dans 20 minutes au sommet du grand chêne, et ce de toute urgence. Très bien, j'y vole. À tout de suite, Pilou. Que se passe-t-il? Pourquoi ont-ils disparu? Pourquoi tout semble immobile, sans vie? Se demanda Pilou, atterré par cette vision. Bref, pas le temps de rêvasser, d'un long plongeon, Pilou, la mésange charbonnière, s'envola pour prévenir tous les habitants de la forêt que quelque chose ne tournait pas rond et qu'il fallait immédiatement se rendre au grand chêne. Assoiffé mais tellement catastrophé, Pilou redescendit rapidement vers le grand chêne où Ima, le grand-duc, maître de cérémonie, avait déjà pris la parole. Mes chers amis, nous nous sommes tous réveillés ce matin dans une stupeur inconcevable. Le silence retentissant nous a d'abord alertés puis réunis autour du grand chêne. Laissez-moi vous dire, mes amis, notre plus grande menace a disparu. De cette phrase prononcée, une avalanche de hurlements de joie déferla dans la forêt et au-delà. La menace avait disparu. L'homme avait disparu. Nous pouvions enfin parcourir les paysages sans craindre pour nos vies, excepté de la part de nos prédateurs naturels, mais nous y sommes adaptés. Les hérissons roulaient en boule, heureux de pouvoir traverser les pâtés de maison qui jadis étaient chez eux, sans être aplatis par une voiture. Non loin de moi, une abeille s'évanouit, heureuse de savoir qu'elle pourrait enfin avoir une alimentation saine et non toxique. Bambina se mit à pleurer de joie. Récemment, elle avait retrouvé sa petite Bambi une balle dans la tête. Posquito, le gardon, avait vu Nemo, son voisin la truite, se faire pêcher par un humain non loin de là. Bref, une page semblait se tourner définitivement sur le confinement qu'avait provoqué l'espèce humaine, sur l'ensemble du vivant et la menace qu'elle représentait pour le reste des êtres. Cette espèce bruyante, sale et invasive a pendant des millénaires colonisé nos forêts, nos marais, nos océans, nous dévorant sans cesse jusqu'à exterminer une majeure partie des peuples qui composaient le monde. Enfin, c'était terminé selon le grand-duc. À nous la liberté, à nous le monde. Une fois tout le monde dispersé, Pilou prit un peu de temps pour lui, pour se reposer, flâner, réfléchir à tout ça, c'était si beau. Cette annonce ouvrait des perspectives de liberté inouïe. Il se rappela, cependant, que l'hiver dernier, il avait rencontré un humain qui semblait différent, un humain qui lui avait mis à disposition de la nourriture et qui n'avait jamais essayé de le capturer. Mais ce genre d'humains était si peu nombreux que finalement, il valait mieux leur disparition complète. Allons chercher un petit verre pour le petit déjeuner et pourquoi pas dans le potager du fermier. Ah, la liberté! Paisible et heureux, Pilou ondulait à travers le ciel, respirant l'air frais retrouvé. Pas celui qui le faisait tousser auparavant, celui au contraire qui l'emplit de vie et d'énergie. Tiens, une proie qui gigote, allons voir, et tac! Un petit verre pour Bibi. À peine avalé, Pilou écarquilla les yeux. Son plumage se réduit et en un instant, son rêve de conquête du monde s'écroula. Du potager du fermier, il vit à travers la fenêtre de la maison les humains. Ils sont encore là. Ils n'ont pas disparu. Pourquoi mais... Alors pourquoi ne sort-il plus? Il faut impérativement que je prévienne le grand-duc. Comment ça, ils sont encore là? Bien sûr, Pilou, nous le savons. Mais ils sont dans l'incapacité de sortir, nous le constatons partout à travers le monde. Les différents peuples de la nature réinvestissent les villes, toute la nature se déploie de nouveau. Ah bon? Et vous ne vous demandez pas pourquoi ils restent enfermés sans sortir?
Peut-être n'est-ce que temporaire et que nous ne devrions pas être si visibles et si naïfs. Pilou-pilou, je te trouve bien agité, détends-toi, va prendre l'air, voir tes amis, c'est fini, la grande menace est finie. Sur ce, je m'en vais également prendre l'air. Décontenancé, Pilou fit demi-tour et s'envola. Les jours passèrent, tout le monde était heureux. Il est vrai que la grande menace avait contraint chacun à se cacher, être prudent. Ne jamais croiser un humain était la devise. Nous vivions donc reclus, tant bien que mal, vivant ce poids constant comme un frein à notre bonheur. Leur disparition a laissé sur le carreau de nombreuses bêtes. Nous nous sommes donc occupés des animaux qui avaient été convertis aux humains. Sans leur maître, ils étaient perdus et dans l'incapacité de se nourrir. Leur dépendance les avait rendus inefficaces dans la nature. Aussi, une formation leur a été dispensée pour les réinsérer dans la vie sauvage. Différents cursus ont été créés pour les différents peuples, comme les chiens, les poules, vaches ou tout autre animal aliéné déterminé à retrouver son autonomie. Seul le chat, qui a toujours gardé son indépendance, a su rapidement retrouver ses repères d'origine. Les mois s'écoulaient paisiblement, au gré des saisons. La confiance était revenue, la paix semblait régner. Cependant, Pilou repensait souvent à la discussion qu'il avait eue avec le grand-duc. Et si ce n'était que temporaire ? Cela voudrait dire que le jour où ce confinement s'arrêterait, un grand massacre risquait d'avoir lieu. Si nous nous sommes tous déployés sur le territoire croyant la grande menace disparue et qu'elle réapparaissait, nous serions tous condamnés. C'est terrible, mais comment savoir et surtout comment prévenir ? J'ai trouvé. Je vais questionner Martin. En tant qu'oie sauvage et malgré la grande menace, il a toujours réussi à faire de très grands voyages à travers la planète chaque année. Il pourra peut-être me dire si l'humain est vraiment séquestré partout. C'est un long périple pour aller à sa rencontre, mais je dois trouver réponse à mes questions. Les jours s'enchaînèrent jusqu'à l'arrivée de Pilou, au lieu de résidence de Martin. Bonjour Birdie, est-ce que Martin est revenu de son voyage ? Pilou fut surpris du regard affligé qu'avait Birdie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Il est arrivé quelque chose à Martin ? Non, il vient juste de rentrer, mais il vient de m'annoncer une terrible nouvelle. Entre vite, Pilou. Posté sur son nid, Martin se retourna et raconta en détail son dernier voyage et surtout ce qu'il avait appris de ses multiples rencontres. Et là, j'entre dans ce buisson et je vois un pangolin. La première fois de ma vie, je te jure. Il avait l'air un peu bourré au latex, mais non, en fait, il me racontait qu'il se cachait fiévreux des humains. Dans leur contrée, ils sont considérés comme un mets de choix, mais le plus incroyable est que la fameuse fièvre du pangolin s'est transmise à l'homme et envahit le monde entier. Pour éviter sa diffusion, la grande menace a décidé de se confiner et il semblerait que l'épidémie s'est arrêtée aux premiers endroits où elle s'est déclarée. Je suis désolé, Pilou. Nous y avons aussi cru. Sur ces mots, Pilou comprit. Il s'était juste confiné pour stopper la propagation d'une pandémie déclenchée par nos amis pangolins. Mais combien de temps cette épidémie allait-elle durer ici, chez nous ? Doivent-ils rester confinés à vie ? Ont-ils trouvé un moyen de guérir ? J'avais donc raison, ce n'était que temporaire. Bon, j'ai 6 jours de vol pour rentrer. Merci Martin pour ton accueil. Restez vigilants et merci pour toutes ces informations précieuses. À très bientôt. Pendant son vol, Pilou pensait à sa contrée, à la joie retrouvée, à la vie qui pullulait et n'y voyait plus qu'une illusion. La grande menace était toujours présente, tapissée dans l'ombre. Les jours se succédèrent, le beau temps, la pluie, la chaleur éreintée, un peu plus Pilou, qui arriva tout de même à destination. Il se rendit aussi vite que possible chez le grand-duc pour lui exposer ce qu'il avait appris de Martin Loi. Ah ah ah, Pilou ! Le grand-duc se mit à éclater de rire. Tu as toujours eu une vision complotiste de la vie, il faut toujours que tu trouves un problème où il n'y en a pas. Je t'interdis de répandre la panique auprès de nos administrés, je vais te demander de partir, de t'enlever ces idées de la tête et de profiter. Bonne journée, Pilou. Pilou fit demi-tour et à voix basse se dit. Comment lui reprocher de choisir l'illusion du bonheur à la réalité de la guerre ? Comment lui reprocher d'y croire ? Tout penaud, Pilou sautillait sous la pluie. S'ils ne veulent pas m'écouter, que faire de plus ? Et moi, que dois-je faire ? Me cacher ? Attendre ? Partir ? Je ne sais plus. Soudain, Pilou entendit un gémissement et un coup de feu au loin. D'un battement d'aile, il survola la zone. Effrayé mais déterminé, il cherchait d'où venait la source. Mais rien, rien. Il décida de prendre plus de hauteur. Et là, il vit un homme tiré à bout portant sur un sanglier de la forêt voisine. Pris de panique, il décolla pour s'enfuir. Et décida de se rapprocher de la ville pour voir si la grande menace était réapparue.
Et là, une vision cauchemardesque. Des humains partout, partout. Ils sont de retour, c'est terminé. De nouveau, aucun espace disponible. Ils avaient également repris tous leurs artifices de vie, automobiles, usines, pesticides, tout reprenait de plus belle, avec, semble-t-il, le désir de rattraper le temps perdu du confinement. Ce n'était donc que temporaire. Pilou pensait à toute sa communauté du petit bois, celle qu'il n'avait plus le temps de sauver, celle qu'il ne reverra plus désormais. Il ne souhaitait plus vivre dans l'insécurité, dans la perspective de rester collé, agonisant sur une branche attrapée par un piège à glu. D'un grand battement d'ailes, Pilou décolla et vit au loin le grand-duc se faire débusquer par deux chiens de chasse qui ont très rapidement retourné leur veste lorsqu'ils ont vu leur ancien maître réapparaître. Leurs regards se sont croisés, Pilou a pu lire dans les yeux du grand-duc du regret et de la tristesse et la confidence inavouée que Pilou avait raison le jour de cette discussion. Mais il était trop tard. Suspendu dans les airs, Pilou volait de plus en plus haut pour n'observer plus que l'immensité de notre terre et réduire ainsi l'effroyable peine qui l'immergeait. Notre rêve de liberté et d'insouciance s'achève, pensa Pilou. La grande menace est donc toujours présente. Va-t-elle continuer à nous maltraiter alors que de notre abondance elle tire son existence ? Ou bien les humains vont-ils enfin comprendre que nous pouvons tous cohabiter car nous sommes de la même famille et avons les mêmes besoins ? Ou encore, doit-on attendre de l'homme qu'il nous ait suffisamment détruit pour qu'il se détruise lui-même ? Personne ne le sait, mais désormais je continuerai de vivre caché, dans l'espoir secret de revoir en chaque être humain celui qui m'a un jour tendu une graine. C'est tout pour aujourd'hui, excellente semaine à toutes et à tous, c'était Monsieur Green. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Moi, Green, oui. Green, comment ? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des babotines. Green, tu vois ? Mais tu vois le Green absolu. Green, plus Green.